c'est Harry Schneff avec vous, et avec moi aujourd'hui il y a... William Bruno Dan Schwartz. Ça fait 4-3-4. Les gars, nous devons être le plus silencieux possible, car nous sommes dans un centre commercial, la nuit. Et nous sommes pas venus ici pour rien. On doit entrer dans le parc de trampoline. Alors allons-y rapidement, il faut être le plus silencieux possible. Les gars, Dan Schmaltz est toujours le plus négligent possible. Bon, silence, entrons maintenant. Attention, lève-toi, allez, vas-y. Les gars. Punaise, il y a un garde ici. Soyons le plus silencieux possible, car si nous réveillons le gardien, il va nous choper tout de suite. Allons là-bas, vers l'entrée, on s'en fout de ce gardien, allez, laissons-le le laisser dormir, c'est tout. Les gars, c'est trop cool, vous y croyez? Nous sommes dans un parc de trampolines fermé. Les gars, il n'y a qu'un moyen de passer, vous voyez? C'est fermé, il faut la carte d'accès, c'est le gardien qui est là, vas-y, on va. Les gars, je ne sais pas comment Dan l'a fait, il faut vraiment que vous mettiez une carte clé ici. Nous avons lu qu'il y a un détecteur ici, si vous n'ouvrez pas cette porte avec la carte clé, l'alarme se déclenche. On y va. Gars, la porte s'est ouverte, courons vite maintenant. Assurez-vous que le garde ne se réveille pas, parce qu'alors nous avons... Vous vous rendez compte qu'on est dans un parc de trampoline la nuit et qu'il est à notre disposition entièrement. Les gars, on est plutôt dans un parc d'attractions familiales appelé Slap Tour. Vous pouvez venir ici et suivre nos pas, quoi. Mais faites-le pendant la journée, c'est interdit de venir ici la nuit. La sécurité est super forte ici. Les gars, regardez toutes ces sucreries. Il y a des biscuits, des bonbons, du café aussi. Allez, servez-vous. Bruno, t'es fou ou quoi? Il y a un agent de sécurité et ce n'est pas bien de prendre les affaires c'est des vrai, autres. Arthur, j'oublie toujours que c'est mal de voler. Comment ne pas voler quand on voit à quel point la glace est bonne? Pourtant, ce n'est pas à nous. En fait, je suis d'accord avec Arthur, ce n'est pas bien de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu penses que voler, c'est mal aussi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais rien volé de votre vie, abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est une chaîne de gens honnêtes. Ça fait, viens, allez, on va jouer, on s'amuse. Attends, Dan Schmaltz, où vas-tu? Tu dois enlever tes chaussures ici. Nous sommes des gens plutôt honnêtes partout. Excuse-moi, s'il vous plaît, en chaussettes, comme il se doit. On est des gens éduqués, hein. On fait pas de bêtises ici. Les gars, on va faire la fête maintenant, ouais. Oh là là, elle a l'air un petit peu pour les trop petits quand même, là. Je vais essayer de m'asseoir, elle est toujours le fond, Allez, on va essayer d'aller ailleurs. Les gars, il y a un gardien à l'entrée. J'ai acheté les costumes spécialement pour ça. Je suis en rouge. Allez, je veux du rouge. Allez. Repartissez-vous par couleur. Attends, Bruno. Du coup, si le garde vient ici, on n'a que à mettre ses tenues de camouflage et on pourra se cacher du garde. Bien sûr, regarde, Arthur. Tu auras une combinaison jaune, tu seras tout jaune. Et s'il y a quoi que ce soit, tu n'as qu'à sauter ici. On ne voit pas du jaune sur le jaune. Personne ne te trouvera et les flics ne t'arrêteront pas. Les gars, c'est génial, mais s'il vous plaît, ne marchez pas dessus, hein, je suis allongé là. Dan Schmaltz est vraiment allongé et on le voit à peine. Sa chemise est rouge, son pantalon est également rouge, même le bracelet de sa montre est aussi rouge. Je vais aller sur ce volcan. Regardez-le, on dirait Spider-Man. Oui, Dan Schmaltz, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Entend, c'est fini pour nous, on est foutu. Non, écoute, Bruno a raison, Safik. Si on crie trop fort, le gardien va se réveiller et va venir ici, c'est sûr. Même d'ici, je peux l'entendre ronfler. Bon, d'accord, les gars, je suis désolé, je savais pas que je criais super fort, quoi. Safik, baisse d'un ton, s'il te plaît, parce que vraiment, mais nous, t'as vu ce gardien? Vraiment, c'est très cool. Mais vous vous moquez de moi. Vous vous rendez compte qu'il dort là-bas et qu'il peut arriver à n'importe quel moment.
Les gars, j'ai une idée géniale! Je veux relever un challenge super cool, quoi! J'ai trouvé cette piste d'obstacles, regardez! Et je veux que nous la parcourions, tous les quatre, jusqu'à la ligne d'arrivée! Et je suis vraiment comme... Oh, plus loin! Hop, et plus loin! Et donc, oh, en tout cas, ce n'est pas facile de passer! Et celui qui passe en premier a le droit de tirer dans les fesses des perdants avec son putain de canon, ouais! Celui-là? Celui qui tire... Ce canon tire de l'air. Denschmalz, quel air! Regarde! Là! Je crois que c'est la première manche et je le passe en premier! En même temps, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, allons-y! Safik, okay. Vas-y, c'est toi le champion! Merci! C'est très loin, il faut que ce soit comme ça! Je suis pas tombé! D'accord, maintenant la roue qui tourne! Tout le monde espérait, sa fille. Comment il a pu tomber comme ça? Je crains que nous allons tous tomber sur cette orange et nous allons nous faire mal aux fesses. Très bien, les gars, c'est à moi de le faire maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Ok, hop. Mes jambes sont longues et je peux atteindre ça. Hop, hop. Je comprends pourquoi Safik est tombé. Ça a l'air d'être une chose sur laquelle on peut vraiment tomber. Attention aux oranges seulement. Elles sont super glissantes. Je suis tombé de la même manière que lui. Les gars, c'est vraiment impossible de passer ces oranges. Elles sont trop loin. Ok, Denis, maintenant, tout espoir est pour toi. Ne glisse pas sur les oranges. Je vais pas passer juste comme ça. Je vais passer en sautant comme une grenouille. Je me suis trouvé rapidement aux oranges. C'est mon tour maintenant. Bravo, quelques tactiques de Dinis, quelques tactiques de Safik. Je saute sur la tomate. Oh, voilà la partie qui fait peur. Hop. Il a réussi. Je vais pas réussir sur cette mandarine. Oh mince, encore un peu et je vais toucher le sol. C'est déjà un territoire inconnu. Il faut que j'aille sur ce trampoline. Je suis ton fan. J'ai réussi. Il a dit à sa fille qu'il sautait comme un petit singe, alors que lui-même, il est comme un petit singe. Il a réussi à passer cette piste d'obstacle du premier coup. William Bruno, il est super bon, mais il va me tirer maintenant dans mon putain de gros cul. Ok, vous êtes prêts, les gars? Mais pas trop fort, d'accord? Boum. Aïe, oui, ça fait mal. Ah mais tu vas y arriver, tu tombes toujours au bon endroit. Les gars, c'est le temps de voir enfin ce que ce centre de trampoline a à offrir quand il n'y a personne ici pendant la nuit. Allez. Malgré le fait que je sois déjà un peu, pas petit, ni de ma taille, ni dans mon âge, j'aime beaucoup cet endroit. Il y a tellement d'espace ici. Pas question. On a atteint le plafond. Oh, c'est pas vrai, j'y vais. Voilà. Où allons-nous maintenant? C'est super cool. On peut se cacher tellement bien des gardiens ici. Il ne nous trouvera jamais de sa vie, c'est sûr. On peut voir tout le parc d'ici. Regardez, il y a les garçons qui s'amusent. Donne-moi la caméra. Regardez comme c'est cool. On peut descendre ici comme dans un vrai aquapark. J'ai déjà repéré ce truc là. Elle m'emmènera vers le bas. La vache. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'aime le plus dans ce parc d'attractions. Le saut à l'élastique. Les gars, je pense que ce qu'il y a de plus cool dans ce parc d'attractions, ce sont ces... Trampoline. Mais honnêtement, c'est l'un des attractions les plus dangereux ici. Mais si tu es un véritable ninja, tout ira bien avec toi.
Écoute, je jouerai bien à cache-cache camouflé maintenant. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. On devrait aller chercher les gars, mettre ses costumes et commencer à se cacher les uns des autres. Parce que je pense que ça va être très amusant. Mettons-les maintenant et commençons à faire du cache-cache camouflé au parc de trampoline au milieu de la nuit. C'est tout. Il ne reste plus qu'à décider qui va chercher les autres. Zafik cherche toujours. Il est très doué. Les gars, j'ai échangé avec Dan Smalls parce que la combinaison, elle était un peu trop petite, quoi. Vraiment trop petite. Ok, Zafik, si tu veux chercher, laisse Schmalz, Bruno et moi nous cacher et tu essayeras de nous trouver. J'ai pas dit que je voulais les chercher, quoi. Si cette vidéo obtient 100 000 likes, la deuxième partie du cache-cache camouflage sera publiée immédiatement. C'est tout, les gars, courez vous cacher. Ok, les gars, je vais me cacher dans le meilleur endroit possible. Peut-être par ici, par là. Attends, je pourrais me mettre... Oh là là, ça a l'air bien, ça. Je vais me mettre dedans. Quoique... Ici, ça a l'air bien. Dans ce costume, je vois rien du tout, rien du tout. Oh, ça, c'est bleu. Regarde, je suis bleu, c'est en bleu, on va pas me voir. Les gars, c'est moi, William Bruno. Pendant que... ça fait compte, je dois rapidement me cacher et trouver surtout le verre. Pour être du verre sur verre. Et j'ai déjà un plan. Hop. Bon sang, c'est comme si une araignée avait tissé tout ça. Je m'y emmêlerai moi-même et ne sortirai plus jamais. Je suis dans la zone verte. Je dois être le moins visible possible ici. Je suis vraiment très proche de sa fille qui se tient juste près de moi. J'ai une idée. Je vais descendre cet élastique et sauter dans un énorme tas de cubes colorés au milieu. Il y a beaucoup de cubes jaunes, donc il ne pourra pas me trouver à 100%. Les gars, regardez, on ne me voit pas du tout derrière ces balles. Je suis vraiment bien caché. Je commence à chercher qui ne s'est pas caché, ce n'est pas de ma faute. Mais il y a tellement de choses ici que je ne sais même pas regarder. Mais si on réfléchit bien, Arthur était bleu, Bruno était vert et Dan Schwartz était... je crois qu'il était violet, ouais. Alors maintenant, je sais pas où est-ce qu'il est la violette. Qu'il y a cet immeuble à 100%, c'est sûr. Parce que les gars, il y a beaucoup d'endroits où on peut se cacher, quoi. Mais les gars, j'ai trop la flemme pour y monter là-haut. Alors, je vais d'abord sauter à l'élastique. Il faut le monter toutes les minutes parce que c'est vraiment super cool. C'est le genre de corde élastique qu'on ne peut trouver qu'ici et pas ailleurs. Nous voulons en faire en un studio parce que c'est vraiment cool et je le ferai le matin, l'après-midi et le soir. Allez, ok les gars, on doit descendre maintenant. Allez. Ouais. Ouhou. Les gars, c'est ouf. J'ai failli me faire choper. Oh, j'aime beaucoup cet endroit, les gars. C'est amusant. Ouais, c'est cool. Et... c'est n'importe quoi. Comment il est arrivé ici, là? D'accord, je pense qu'il y a quelqu'un dans ses pastèques ou ses fraises, c'est sûr. Ou justement, on va voir. Allez. Bon, c'est le genre de choses à travers lesquelles on peut tomber. Faut faire attention. J'espère que je n'ai pas encore passé en personne au camouflage, les gars. Il est possible d'aller en blanc, comme ça, ou contre le poteau, comme ça. Ouais, je n'ai pas remarqué comme ça, parce que je vous reparle. Les gars, j'ai failli me faire choper par Zafik. Alors il faut que j'aille me cacher autre part immédiatement. J'ai déjà repéré un endroit. Venez avec moi. On voit déjà qu'il y a des trampolines comme ça. Je vais m'allonger comme ça en espérant que Zafik ne me verra pas. J'espère que les gars respectent les règles et ne se cachent pas dans la zone verte. Wow, regarde. Bah, essaye de m'attraper. C'est William Bruno. Les gars, il est vraiment comme une araignée dans un filet. Comment il est tombé là-dedans? C'est impossible. C'est impossible, Zafik. Je crois que je l'ai senti et puis que j'ai trouvé. Je t'ai attrapé en quelque sorte. Tu veux dire que j'ai déjà perdu? Ouais. Zut, d'accord. Il nous reste plus qu'à trouver Dan Schmalz et Arthur Marichniev. Les gars, je vais encore me recacher. Il faut trouver Denis Schmalz. Il est quelque part par ici, j'en suis sûr. Il y a une autre sorte de labyrinthe ici, les gars. Wow. Silence. Yo. J'ai vu quelqu'un. Tout est noir là. Oh, j'ai trouvé une sortie. Je me suis retrouvé de l'autre côté de cette construction. Voyons ce truc là. Les gars, il y a beaucoup d'étages, beaucoup de niveaux. Vraiment, c'est super grand. Oui, William Bruno, qu'est-ce que tu fais là? D'accord, les gens. Alors allons là-bas comme nous l'avions prévu. Je crois qu'il y a quelqu'un juste là-bas. Il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il faut grimper? En haut, en bas, à droite, à gauche. C'est quand même cool de grimper juste ici, vraiment. Alors, il y a quelqu'un là-bas? Non. On lui répondra pas.
Comme ça, il n'y avait personne ici non plus. Les gars, allons-y rapidement. Allez, c'est parti. Suivez-moi, allez, venez. Le plus important, c'est de ne pas faire de bruit et d'être prudent. Je ne vois personne. Nous avons entendu Dalschmas quelque part par ici. Le plus important dans le jeu de cache-cache, c'est d'être attentif. Allez, on bouge. Il s'est peut-être caché juste là, car nous sommes déjà arrivés au bout du village de jeu. Et il n'y a personne. Les gars, je crois que je sais où il est. Il est ici, au-dessus de moi. Oh, bizarre, les gars, mon intuition ne m'a jamais fait défaut. Les gars, il faut qu'on sorte d'ici d'une façon ou d'une autre. Je pense que le meilleur moyen de sortir d'ici est de venir en arrière, parce que je me suis déjà perdu ici. Attends, attends. Ne bougez plus. Mais comment as-tu su que c'était moi? Je savais qu'il fallait pas que je bouge dans ce truc à la cour. Tu n'aurais pas dû te cacher là, derrière moi. J'ai déjà trouvé William Bruno et Dalschmas, bon sang et bonsoir. Il ne reste plus qu'à trouver Arthur Maristef. J'ai souvent oublié sa couleur. Je pense qu'ils échangent leurs costumes en cours de jeu entre eux. En général, les gars jouent souvent de manière injuste, comme si on ne pouvait pas changer le costume. Mais nous n'en avons pas parlé. Ce n'est pas une règle. Soit quelqu'un s'assoit sur les cubes, les gars, je viens d'y penser. Soit quelqu'un est assis, sûrement dans les toilettes. On peut s'enfermer dans une cabine, mais ce n'est pas injuste non plus. Mais dans les cubes, attention, là, il faut vérifier. Arthur, sors! C'est tellement fatigant de marcher dans ce truc de merde. Je pense pas qu'Arthur pourrait être entré là-dedans. Et si on sortait d'ici? Je crois qu'Arthur a changé son costume avec William Bruno. Ah! Où est ma clé? Nom de Dieu! Quelqu'un est rentré ici? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a personne ici? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ils sont trois! On va les choper! Et vous êtes cachés où? Eh bien les gars, je vous ai tous su! Ouais. Bon les gars! Voilà le garde! Il a dû nous remarquer quand nous avons crié si fort et s'est réveillé! Courez! Alors, au courir! Cachez-vous! On recommence à jouer à cache-cache, mais cette fois-ci, c'est sérieux! Ok, maintenant, allons-y vite! Heureusement que je suis en vert! Il n'y a presque que du vert ici! J'espère que le gardien me repérera pas! Ok, les gars, il faut qu'on se cache quelque part tout de suite! Pourquoi pas le volcan ou la cachette royale sous le tabagon? Bon sang, c'est vraiment inconfortable ici! On me voit pas ici! J'espère que vous me voyez pas non plus! Mince! Oh, il faut trouver notre endroit vite, 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 les gars! Le gardien arrive! Les gars, moi je suis rouge, on ne voit pas du tout dans le trampoline! Je vais donc me cacher sous le trampoline! Allez, assez parlé, il arrive! Les gars, j'ai grimpé sur une construction comme ça! Montre, éloigne-toi! Et je vais prétendre être une statue pour que le gardien ne me voit pas à 100%! Ok, il fait noir dans ce labyrinthe et personne n'a trouvé. Je vais mettre ici, j'espère qu'il va pas me trouver. Ça a l'air bien. Oh non. Ah, il va me mettre en prison, faut que je trouve un autre endroit. Non. Alors, il peut pas savoir. Oh. Peut-être qu'ici c'est en sécurité. Allez, je me suis caché. Ah, mais où ils sont? Mais ils sont passés par ici. Mais ouf, c'est des jeux, c'est comme une ville ici. Je pourrais passer une semaine à me promener ici. Mais ils sont où, ces chenapans, ces canailles? Mais ici, mais c'est pas possible, j'arrive pas à les trouver. Mais pas ici, non? Tonnerre de Brest. Oh, le gardien, viens par là! Mais mince alors, comment, c'est quoi ça? Il est juste là-bas. Mais c'est quoi ce Beans? Il revient! Je me déplace un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Zut, le voilà encore. Allez, finis de jouer, sortez maintenant. Nom de Dieu. Vous avez vu comment il est passé juste à côté de moi? Il m'a presque remarqué. Je me suis pas du tout caché dans ma couleur, mais j'ai pris la pose d'une statue comme ça et j'ai semblé passer inaperçu. L'essentiel, c'est qu'il n'ait trouvé personne et que nous ayons pu nous échapper de ce parc de trampoline. Mon mince. C'est toujours sur moi que ça tombe, ça, hein? Bon, allez, sortez, je vous ferai rien du tout. Allez, juste, sortez. Il était juste là. Il est passé juste devant moi. C'est tellement bien qu'on ne me voit pas.
Oh, comment c'est possible? Mais où vous êtes? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Y'a personne? Alors... Mais vous êtes où tous? Signalez-vous! Il y a du monde? Signalez-vous tous, sinon je vais éteindre la lumière! Oh la galère! Alors. De toute façon, je vais vous trouver. Oh! Comment il a l'air vivant? S'ils sont tous comme ça, je vais les trouver. Alors. Les gars, vous avez vu ça? Il a juste fait attention à moi, mais il ne m'a pas remarqué! Qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh le bordel. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a deux secondes, il y a plus de statues. Mais c'est quoi c'est... Mais au final, c'est quoi? C'est un jeu? Les gars, j'ai échappé de justesse à ce garde. Il est bizarre, il ne m'a pas remarqué du tout. Le plus important est de changer de cachette. Il y a beaucoup de vert ici, mais presque pas de jaune. J'arrive pas à y croire. Je vais alors me cacher dans ce truc-là. Je crois que même si le gardien me verra, il ne pourra pas y grimper là-haut. Je grimpe. Hop. C'est tout les gars, je vais m'allonger sur le truc jaune comme ça et il ne me verra pas, c'est sûr. Et même s'il me remarque, je vais vite me cacher à nouveau. Bah. Les gars, je vais faire une farce au gardien. Mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi ça? Qui est là? Mais vous êtes où tous? Allez, dénoncez-vous. Mais il y a personne ici. Et je trouverai sûrement personne ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que c'est? Qui est ici? Allez, sortez! Arrêtez de vous moquer de moi comme ça! On est des humains quand même! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce travail que j'ai choisi? Les gars, vous avez vu comment j'ai fait tomber sa casquette? Il va 100% devenir fou à un moment donné et 100% il va avoir peur et il va s'enfuir d'ici. Les gars, il faut qu'on se dépêche de se cacher parce qu'on n'est plus en sécurité dehors. Voilà, c'est fait. Les gars, j'en ai marre de rester ici assis. Le gardien est de l'autre côté du parc de toute façon. Alors les gars, il faut que je me déplace vite fait en urgence. Je crois que le centre de ce quartier est rouge. Génial. Les gars, c'est un gros matelas tout rouge. Laissez-moi m'allonger dessus comme ça. Oh. Mais je rêve ou quoi? Qui est là? Non, mais c'est bon pour moi. Cet endroit étant hanté, j'ai peur. C'est l'œuvre du diable. Quoi, c'est hanté ou quoi? J'en ai marre, je donne ma démission. Je me casse. Bonjour à tous, chers amis, moi je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui, il y a... William Bruno. Bonjour à tous les gars. Alina. Bonjour tout le monde, les gars. Safik, 1, 2, 3, 4. Et pas ça, chérie, salut. Aujourd'hui, nous sommes au parc d'attractions de Jokejoy pour filmer une vidéo sur la bande de couleurs de Aggiwaggi et ses amis. Le truc, c'est qu'on a récupéré ses costumes à la bande colorée de Aggiwaggi. On a eu du mal à les convaincre de nous laisser les prêter, mais on a fini par y arriver. Alors, maintenant, on peut filmer cette vidéo. Écoute, Artyom, filmons une vraie vidéo avec ce Aggiwaggi Gang. Écoute, si nos abonnés nous mettent 100 000 likes sous cette vidéo, alors, nous, quand on allons rendre les costumes, nous saurons où se trouvent leurs repères et nous pourrons même attraper cette bande. Et puis, on va enlever leurs masques et on leur fera des farces. Mince, ok, je vais mettre vite mon like en premier pour qu'on reçoive 100 000 likes le plus vite possible. Ok les gars, allons jouer, c'est parti! Maintenant, nous allons vous montrer cet énorme parc! Mmh.
maintenant, nous allons jouer à Among Us. Dans ces costumes colorés de Huggy Wuggy, tout au long du jeu, on va avoir plein de tâches à accomplir sur cet immense territoire. Et pour déterminer lequel d'entre nous sera un membre de l'équipage et lequel sera un imposteur, on va utiliser les cartes qui sont juste ici. Celui qui a une carte avec une tâche est un membre d'équipage et celui qui a un cercle rouge est un imposteur. L'imposteur peut saboter et utiliser un seul mouvement de loup-garou par tour. Quand par exemple, moi, Harry Schneff, je me transforme en Pacha Chiraïev, je me transforme du vert Huggy Wuggy en un jaune. Quand l'imposteur tue quelqu'un de l'équipe, il doit s'allonger sur le sol et ne pas bouger jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe le trouve. Mais si quelqu'un le voit, il doit obligatoirement klaxonner et courir vers le tonneau bleu. Safik, apporte le tonneau. Je vais tout de suite. Voilà. Hop. Courir vers ce tonneau bleu et appuyer sur le bouton rouge pour appeler une réunion. Et là, on est en train de trier les cartes. Et celui qui aura l'imposteur, il va devenir l'imposteur. Voilà, c'est comme ça. On met le masque et on court. Tout le monde, partez d'ici! Les gars, on joue? Les gars, j'ai regardé sur ma carte. De toute façon, je dois faire ma mission quelque part ici. J'ai ma première tâche avec le numéro 2 écrit dessus. Suivez-moi, on va aller le chercher. Non, en fait, je suis un civil, d'ailleurs. Je le dis au cas où, parce que peut-être que vous avez pensé que j'étais l'imposteur ou un traître. Eh bien, à cause de la couleur, j'ai l'air peut-être d'un traître. La couleur rouge est toujours la couleur des traîtres. Les gars, zut, je dois aller par là, mais il y a un panneau qui dit uniquement avec les adultes. Et moi, je suis pas un adulte, moi. Comment je suis censé d'entrer là-dedans, maintenant? Mais attendez, il y a une astuce. Si toi, mon spectateur, tu es un adulte, alors je peux entrer avec toi juste ici. Tu sais comment tu peux prouver que tu es déjà grand? Les adultes savent comment s'abonner à la chaîne. Donc si tu cliques maintenant sur le bouton rouge d'abonnement et le rend gris, je saurai que tu es déjà grand et responsable. Et alors je peux aller avec toi. Allez, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors vas-y! Clique sur le bouton d'abonnement et hop! Oh, je vois que tu t'es abonné! Donc tu es un adulte, cool! Allons-y! Donc s'il arrive quelque chose, je peux me justifier d'être accompagné par un adulte! Oh là là, les gars, regardez! Oh. On ne peut pas se laisser distraire! On doit se dépêcher de faire nos épreuves avant que l'imposteur fasse son sale boulot et tue toute l'équipe! Je n'aimerais pas d'être l'un des premiers! Voilà, les gars! Ma première tâche est la numéro 2! Et si on doit construire un mot à partir de ces dés avec les lettres dessus? Ok, on va se débrouiller. Ouais, les gars, il est là, William Bruneux. Il ne sait pas du tout que je suis un imposteur. Un timing parfait pour le tuer. Les gars, c'est ici qu'on peut se cacher son cadavre. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une mission ici, en fait. Tu es sûr? Ouais. Ok. En fait, regarde ces trampolines ici. Ils sont vraiment super cool. C'est un vrai parc de trampolines, ça. Maintenant, regarde comment je peux faire. Wouah! 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 Bruno, c'est trop cool. Wouah! Cherche des cubes avec des lettres. Oh, quoi avec des lettres? Mais tu dois le savoir. Tu as aussi une épreuve à passer. Je sais pas encore quelle est ma mission. Ah, je vois. Je pensais que tu étais l'imposteur. Regarde, tu dois trouver les lettres sur des cubes et faire un mot avec. Faisons-le ensemble. Allez, monsieur les gars, nous allons devoir reporter le meurtre de Bruno pour un moment. Regarde, Bruno, il y a des cubes qui nous manquent. Je vais aller chercher par ailleurs. Ah. Ok. Eh bien, reviens le plus tôt possible. Ensemble, on s'en sortira plus vite. Ok. Je crois que je vois une lettre. Les gars, mon défi se trouve quelque part sur le toboggan. J'ai regardé sur la carte et le toboggan est quelque part par ici. Je ne sais pas vraiment, j'ai pas compris. Donc maintenant on va chercher ensemble. Ici il y a tellement de choses cool. Regarde un requin là. Oh, un toboggan, mais c'est pas ce qu'il me faut. Ici c'est très facile de se perdre. A priori je dois aller par ici. Oh, c'est le toboggan dont j'ai besoin. Bon allez, je monte en haut, c'est là-bas qu'il doit y avoir ma mission. Ah, avec ce donut. Les gars, c'est Zafik à 2-3-4 à la barre. Ouais, c'est Doc, c'est un parc de du malade. Il doit bien avoir mon défi quelque part par là. Ma mission est numéro 2. Ok, je plaisante, mes amis, je suis un imposteur. Allez, deuxième blague, je suis pas un imposteur.
Je suis super connard. Allez, laisse-moi vous montrer ce qu'il y a ici. Oh, c'est extraordinaire, les gars. Je n'ai jamais vu un centre aussi beau et aussi grand. Ici, nous avons un labyrinthe. Mais dans un labyrinthe, je pourrais être tué par un imposteur. Personne différent. Regardez. Ok, génial. Il va y avoir ma deuxième mission quelque part. La vache. C'est juste une vraie patinoire. Il y a même des crosses de hockey, les gars. Ouh, c'est la bombe. Qui aime le hockey, écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Et moi, je vous comprendrai tout de suite. Il n'y a aucune mission pour moi ici, donc je vais devoir quitter cette patinoire. Bon, allez, peu importe, on y va. Je vais aller... Les gars, j'ai pas eu l'occasion de tuer Bruno, j'ai besoin d'un bon moment pour l'attraper. Je vais le... Les gars, j'ai pas fait exprès. On doit sortir d'ici rapidement, retourner auprès de Bruno. Les gars, je ne voulais pas du tout tuer Artyom, surtout pas dans un endroit si visible. Je ne pourrais pas tuer William Bruno tout de suite, car il faut un certain temps pour que le taser fonctionne à nouveau et que je puisse le tuer. Donc, je ne pourrais pas tuer William Bruno maintenant. Je dois être extrêmement prudent pour que personne ne le sache. J'espère qu'Artyom ne sera pas bientôt retrouvé car il est juste prêt. Alina, où sont les cubes que tu es allée chercher? Oh, les cubes. Je les ai pas trouvés, je pense qu'ils sont tous ici en fait. Mince, Alina, c'était juste une perte de temps. Regarde, j'ai déjà trouvé deux lettres. C'est bon, elles sont si difficiles à trouver, vraiment. Eh bien, laisse-moi t'aider, ils sont ici. Écoute, pour être honnête, tu n'as pas pu les trouver, donc je vais aller les chercher moi-même, ok? Oh, on ne va pas là-bas. Oh, ils sont tous là de toute façon, il n'y a rien là-bas. Vraiment, du tout. Écoute, Non. Moi faire moi-même, enfin. Ça? Ouais. Je crois que quelqu'un a été tué. Et toi et moi étions ici ensemble, tu te souviens? Ouais. C'est bien que nous n'ayons pas été tués. Les gars, je vous ai appelé ensemble parce qu'Artyom a été assassiné juste en face de moi. Juste devant toi? Oui, juste devant moi. À qui l'a fait? Je ne sais pas qui c'était. Ok, réfléchissons logiquement. J'ai rempli ma mission et puis j'avais cette espèce de sous de cul. Donc ça pourrait être sa pique parce qu'Artyom a été tué en face de lui. Soit il a vu le tueur, soit il est le tueur lui-même. Ce n'est pas être comme ça, c'est pas vrai, n'importe quoi. Si vous me demandez ce que je faisais, je jouais au hockey et je suis allé sur un terrain de jeu là-bas. De toute façon, je n'ai encore trouvé ma mission. Qui avec qui? J'ai compris que sa fille était tout seul et que moi j'étais tout seul. Et vous, tous les deux, vous étiez où? Moi, j'étais avec William Bruno tout le temps, donc j'ai un alibi. Oui, nous étions avec Alina tout le temps, sauf pendant le moment où elle... Je ne pense pas qu'Alina cherchait t'aider à ce moment-là. Elle a tué Artyom, mais on peut pas la dénoncer. C'est une fille après tout. Je pense que c'est Pacha qui est le traître, c'est l'imposteur sans aucun doute. C'est pas vrai, Bruno, tu mens. Ça fait que tu as entendu ce que Bruno a dit, qu'il était avec Alina tout le temps. Mais à un moment, il est parti, pour je ne sais quelle raison. Elle a arrêté de donner des informations, c'est Alina à 100%. J'ai le même avis que Bruno, car lui et moi, tu es en train de collecter des cubes et ne faisions rien d'autre. J'ai un alibi pour Bruno et elle en a un pour moi, donc nous sommes tranquilles. C'est toi, c'est toi, toi, toi. Non, toi, je sais non, que c'est toi. Non, mais tu vois, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non. C'est quoi ça? C'est pas nous. Arrête, hein. Tais-toi. C'est le tueur. Il ne peut pas être le meurtrier. Parce que c'est lui qui a été assassiné. Ah. Donc, c'est lui qui est assis à gauche de moi. Alina, la meurtrière. Silence, stop. 100% Alina l'imposteur. J'en suis sûr à 1 000 000%. T'as raison, ça figue. Très bien, moi je vote. Allez, c'est Alina. Moi aussi. Et j'ai pour Pacha. Je suis par Pacha moi aussi. Comment ça? Du coup, on égalité. Que les gens continuent. Les gars, nous n'avons pas pu trouver l'imposteur pendant cette réunion, mais nous devons chercher des missions maintenant. Les gars, je ne suis pas sûr qu'Alina soit le traître, mais ce tour-ci, je vais le découvrir. Je vais découvrir la vérité. Les gars, je fais semblant de chercher une nouvelle mission. Allez, tu m'as fait tellement peur. J'ai compris que c'est toi qui as tué Artyom. Tu es le traître. Tu es l'imposteur. C'est toi qui devrais tirer du jeu parce que tu tues des civils. Comment t'as pu faire ça? C'est vrai. Merci de me protéger. Je ne vais pas te tuer pour ça. Eh bien, c'est déjà mon credo. Écoute, t'as vu où sont Pacha ou Safik? Merci de m'avoir gardé en vie, bien sûr. Mais je n'étais pas dénoncé uniquement parce que je n'étais pas sûr. À la prochaine réunion, je réfléchirai très sérieusement à la façon dont je dois répondre et pour qui je dois voter. Alors ne trahissons pas les membres de l'équipe, mais faisons le travail. Alina, suis-moi. Ok, mais les gars, j'ai une autre tâche. Je dois tuer Safik, enfin ou Pacha, peu importe que je rencontre. Je ne toucherai pas à Bruno, c'est sûr.
Les gars, j'ai décidé que je vais continuer là où je m'étais arrêté en ronde précédente. Avec cette tâche qu'on m'a coupée, on m'a pas laissé finir jusqu'à la fin. Regardez, le but c'est de faire une maison avec le sudoku, juste avec des chiffres. Donc là je suis assis, je tourne tous ces morceaux de bois. Ok, ça a l'air d'être dans l'ordre. Le plus important c'est que vous bougez pas, parce que dans le continuum c'est pas très confortable. Ça glisse et le bâtiment il est en train de s'écrouler. 34-46, c'est le bon ordre a priori. Le problème c'est que je connais pas tous les jeux, mais bon, je pense qu'avec ce jeu j'ai tous les apprendre. Cette maison c'est sympa. Ouais, moins un. Ouais, on t'a eu. Notre plan a fonctionné. Ouais, je n'ai rien à voir avec ça. Pascha et moi avions dû que tu étais un imposteur. Alors nous avons inventé un plan de ouf malade. Je me suis caché ici et Pascha jouait tranquillement le jeu. Et on t'attendait. Pascha s'est sacrifié pour gagner. Et ouais, tout ça pour gagner. On n'a jamais pensé que Pascha pouvait être un meurtrier. Et puis, s'il te tuait, tout le monde penserait vraiment que c'est moi l'assassin. Oh non. Eline, toi, tu aurais pu, c'est toi qui aurais dû, c'est toi. C'est pas moi. Oui, c'est toi, 100%. Moi. Je t'ai vu tuer Pascha, donc c'est toi, 100%, j'en suis sûr. Ce n'est pas moi, parce que quelqu'un utilisait un loup-garou apparemment. Et ça doit être Sadie qui est déguisée à moi, il a tué Pascha et maintenant elle me piège. C'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est toi, j'en regarde dans les yeux. Tout le monde le sait maintenant. C'est elle à 100%, c'est un million de 100%. Hey, j'en suis sûr, même pas ça, il était sûr. Bruno, mais toi, tu sais très bien que ce n'est vraiment pas moi. Écoute, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ou peut-être c'est toi le traître? Quoi? Nous jouons honnêtement, donc je vous propose de voter. Je vote contre Alina. C'est équitable, et voilà. Ok, bien. Nous jouons honnêtement, il faut dire la vérité. Désolé Alina, mais vraiment, je pense que tu es l'imposteur. J'ai des preuves moi, je vote contre Alina. William Bruno, t'as fait une erreur en choisissant sa fille. Oui, je suis l'imposteur. Je te l'avais dit, les gars, William Bruno et moi, nous avons gagné. Ouais, nous allons pouvoir passer au prochain tour. Le monde n'a jamais vu des vidéos comme celle-ci. C'est une bombe atomique ce tour, les gars. J'ai été choqué qu'Alina soit l'imposteur et qu'elle m'ait tué juste au début de la partie. Mais maintenant, nous allons tirer à nouveau les cartes. Et en faisant cela, maintenant, cette fois, vous ne saurez plus qui est l'imposteur et qui est le membre de l'équipage. C'est la mienne. Ça, je prends. Allez, je le prends. Et moi, j'ai ça, moi. Rien du tout. Non mais vous savez les gars, maintenant j'ai juste peur de tout le monde parce qu'ils peuvent se venger. Va-t'en, je vais quand même me venger. Le dernier tour, Alina m'a assommé si vite que je n'ai même pas eu le temps de faire une seule tâche. Mais cette fois, il faut être aussi prudent que possible et ne faire confiance à personne. Ok, il doit y avoir quelque chose dans ce labyrinthe, j'en suis sûr. Où sont les tâches? C'est facile de se perdre ici. Yes, les gars, j'ai trouvé ma première tâche. Enfin, c'est la tâche N4, mais c'est la première pour moi. Il y a une carte à insérer, mais je n'ai pas la carte elle-même. Apparemment, la carte est dans ce labyrinthe. Je vais la trouver, c'est sûr à 100%. Mars. Ma tête. Zut, je suis coincé. Comment je peux sortir d'ici? N'approche pas de moi. N'approche pas. J'ai déjà été tué. N'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Mouille pas de moi non plus, allez. Tu es sûr que tu n'es pas l'imposteur? Non, j'ai été tué immédiatement au début du premier tour la dernière fois. Je n'ai même pas terminé la mission, donc je ne fais confiance à personne maintenant. Artyom, je ne suis pas un imposteur. Je suis en train de mener une mission ici. Ici, j'ai déjà trouvé la carte. Il ne reste plus qu'à trouver un lecteur de carte. Eh bien, je l'ai vu là, derrière. J'ai cherché la carte et maintenant je suis coincé ici. Je peux rien faire. Laisse-moi te montrer. Pousse-moi. Allez, on pousse maintenant. Allez, donne-moi tes mains. Allez, 1, 2, 3! On est sorti, ouf! Mais je devais aller dans le sens inverse, en fait! Très bien, on va trouver une solution! Ouais, d'accord! Ne me pète pas dans le nez, s'il te plaît! Et pousse ici, encore une fois!
J'ai perdu ma carte. Attention, attention. Ok, voici la carte. C'est tout, nous avons une mission à accomplir. Arthur, où es-tu? Tiens. Ok, les gars, on va faire la mission maintenant. Ça ne marche pas. Essayons doucement. Oui, mission accomplie, les gars. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient avec la lumière? C'est toi qui as fait le sabotage, c'est toi! C'est du sabotage, Artyom! Je pense que quelqu'un a saboté! Tu dois te déplacer très prudemment dans le noir! T'es sûr que c'est pas toi? Tu m'as fait mal, allez, sortons d'ici avant que nous soyons tous les deux tués comme de gros connards! Ici il devrait y avoir une princesse. Je t'ai eu, c'est moi, William Bruno, qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr, c'est toi, Bruno? T'es pas un imposteur? Pourquoi je serais un imposteur? Je plaisante! Écoute, mec, je te jure que je ne suis vraiment pas un imposteur. Eh bon, moi aussi, tu le jures, je te crois. Écoute, je ne suis pas du tout là, UFO. Je vois que tu as, un peu de problème avec ta mission, mais moi ici, j'ai littéralement une lettre à trouver et ma mission est terminée, mec. Allons passer ma mission, mec. La lumière est meilleure chez toi? Parce que chez moi, c'est sombre, j'arrive pas à faire ma mission. Écoute, avec toi, jaune, ça sera plus lumineux, évidemment. Allons-y. Très bien, allons-y. En fait, Pache, regarde, depuis combien de temps est-il allongé ici? Qu'est-ce que c'est? C'est une torche. Et on va évidemment en avoir besoin maintenant. On est dans l'obscurité, c'est ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Là, on doit aller par là, suis-moi, allez. Allez. Ouais, Pachka, regarde, voici la mission. Tu vois, j'ai presque fini le mot ici. Ha-ge-ge. Il manque une lettre, je ne comprends pas du tout laquelle. Et après toi, c'est quel mot alors? Je n'en ai aucune idée, c'est pourquoi je t'ai invité à m'aider. Eh hey, mec, c'est quoi cette lettre? Oh, Aline! N'approche pas, n'approche pas! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Eh bien, je suis en train de faire un mot ici, et il me manque une lettre pour finir. Je ne comprends pas quelle lettre il faut mettre ici. Tu peux m'aider, toi? Allez, Nadi, la lettre A. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça marche? Haga! C'est Haga! Moi, je connais pas ce genre de mot. Je pense qu'on s'est trompé de lettre. Oui, je pense qu'Alina se trompe aussi. Mince, quelle lettre ajouterais-tu ici? Bruno, t'as regardé au fond de la piscine? Ici, il y a beaucoup de cercles, de formes, on dirait des lettres, comme celle-ci. Je vais sûrement aller dans la piscine, je vais plonger et puis je vais trouver des lettres, ok? Ok, sauf que ce sont pas des triangles. Je sais, ça c'est des losanges. Bon, allez, je suis parti, c'est parti! Ok, Pacha, cherche là-bas. Et moi, je veux demander aux experts, moi. Les gars, il me manque vraiment une lettre. Juste une, mec. Et je vais faire un mot avec. Qu'est-ce que c'est? Quelle lettre je dois ajouter ici? Les gars, si vous savez quelle lettre ajouter et quel mot obtenir, écrivez ce mot dans les commentaires, les gars. Je peux voir tous les commentaires en temps réel. Et si vous écrivez la bonne réponse maintenant sous cette vidéo, je comprendrai alors et je pourrai assembler le mot complètement. Et mon travail sera terminé. Bon, allez, joue avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que Pachka s'est déjà noyé, mec. Et le travail n'avance pas du tout. Il n'y a pas de progrès. Allez, écris le bon mot dans les commentaires. Eh, tu as écrit Huggy. Alors, il faut un Y. Eh, hey, Pach, j'ai besoin d'un Y. J'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. Le voilà. Aide-moi. Oui, j'ai trouvé le mot Huggy, c'est ça. Et c'est un Among Us Huggy Waggy Style. Si c'est le bon mot, alors maintenant, oui. Oh, les lumières sont allumées. Yeah. Top là. Moi et Pachka, on est la meilleure équipe, ouais. Oh, attends. Écoute, Pach, allons-y ensemble et trouvons l'imposteur, hein. Bonne idée. J'ai confiance en quoi, en toi, Bruno, et toi? Bien sûr. Nous avons vécu tant de choses ensemble. On a trouvé la lettre, allons-y, Pach. Du coup, ça veut dire qu'en suspect, on a juste quelques personnes. Je pense que c'est encore Alina. Pourquoi tu rigoles? Moi, je pense que c'est Artyom. Voyons voir, mec. Pourquoi est-ce que je pense que c'est Artyom? Pendant tout le round, je l'ai pas vu une seule fois. Écoute, je l'ai vu une fois et... Attends! Aïe, Pachka! C'est Alina! Stop. J'ai appuyé sur le signal! Faut pas! Arrête! Pourquoi? Je suis bien sûr désolé, mais... Là, il y a la mission 10! Presque terminée!
Oh. Oh. Hey. Allez, maintenant appuie. Je commençais à penser que tu ne voulais pas que j'appuie parce que tu es un imposteur. Pour que je te ne dénonce pas. Ce n'est pas vrai. Appuie. J'ai compris. Qui a convoqué la réunion? C'est moi. C'est moi qui ai appuyé le bouton « Assembler la réunion ». Allez, réfléchissons un peu. Qui est l'imposteur? Bruno et moi, on a fait la mission ensemble. Puis nous avons trouvé le cadavre d'Alina. Et Safik n'est pas là. Et toi, t'étais où, Artom? Moi, j'étais en mission avec Safik. Il était avec Safik. Et Safik n'est plus là, maintenant. Il n'a probablement pas entendu, tout simplement. Il doit bosser encore. Oh non, on n'arrive plus à trouver le Huggy Wuggy bleu. Bah, il est aux gens en mission. Où il est? Où il est? Non! 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 Frère! Non! Non! Bruno! C'est Artyom Arshinyev! C'est lui! C'est lui, le traître! Espions-le lui durant le vote! Je viens de trouver le cadavre de Safik 1, 2, 3, 4! Toi et moi, on est restés ensemble tout le round. Ni toi, ni moi, nous nous sommes séparés. Je vote pour Artyom. Mais ce n'était pas moi. Et en effet, nous étions ensemble tout le temps avec Pashka. Donc je vote aussi contre Artyom, moi. C'est un traître de toute façon. Non. Je suis vraiment content que le gars ait deviné que j'étais l'imposteur. Et c'est parti pour le troisième round. Vous avez peur, hein? C'était mon idée. Bon, ici, il y a la mission numéro 7. Et la mienne, elle est là-bas. Il suffit juste de télécharger un fichier. C'est ce que je préfère. Il n'y a rien à faire. Il suffit juste comme ça. J'attends que ça télécharge. Allez, on y va. Regardez, la mission est là-bas, en haut du toboggan. Là-bas. Il faut juste que je monte et que je commence à faire le travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma papa, Bruno, tu viens m'aider, c'est ça, ouais? Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Il est encore ici. Visiblement, c'est lui l'imposteur. Il veut me foutre un coup de taser. Bon, on dirait que je l'ai semé. Bon, après, j'ai le temps de redescendre. Ah non, j'ai pas le temps. Il est en train de descendre. Non, non. Qu'est-ce qu'il te faut, Bruno? Laisse-moi tranquille. Je n'ai nulle part pour où aller. J'ai personne, j'ai nulle part où aller. Tu fais quoi? Parce que non. J'ai tombé. La réunion. Mais qui a été tué? Je viens de voir comment Bruno a tué Pashka. Moi? Mais qui encore? Bien sûr que toi. Mais comment pourrais-je? Comment? Je m'en souviendrai si je le faisais. Les gars, je vous le jure, j'ai vu comment Bruno a assassiné Pashka. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est Artyom qui a mis mes vêtements. Parce que c'est lui le traître. C'est lui l'imposteur. C'est toi l'imposteur. Tu es l'imposteur, Bruno, ouais. Tu es le vrai imposteur. Je n'ai pas vu Pashka du tout pendant ce tour. Les gars, je faisais mes tâches, donc je n'ai rien vu du tout. Mais puisque quelqu'un a vu Bruno tuer, je vais le croire, vraiment. Je vote pour Bruno, c'est lui l'imposteur. Moi aussi, je suis pour Bruno. Bruno est l'imposteur. Eh bien, vous vous trompez. Ce n'est vraiment pas moi. Tu as aussi voté contre moi la dernière fois, donc t'es un imposteur. Non. Comment ça, ce n'est pas l'imposteur? Mais il était Dut. Quoi? Mais c'est toi? Je pense que c'est Artyom. Elle m'a dit qu'il l'avait vu. Il est vraiment rusé. Je vous le dis, c'était Bruno, je le jure. Tu peux jurer combien tu veux, on sait que c'est toi. Très bien, les gars. Allons, passez une bonne mission. C'est vraiment Artyom. Il nous prend la tête. Mais non. Les gars, je dois faire attention et m'assurer qu'Artyom n'est pas là. Parce qu'il pourrait surgir à tout moment et m'assassiner. J'ai peur. Recule. Pourquoi? Tu perds de moi? Non, mais parce que tu nous as poussé à éliminer William Bruno. La minute est déjà passée. Si j'étais un imposteur, je te donnerais un coup de taser et c'est tout. Mais comme tu peux le voir, tu es encore vivante. Les gars, c'est très logique. Écoute, et si c'était Safik? Oui,
c'est 100% sa fille. Si j'étais un imposteur, je te frapperais maintenant et ça y est, j'aurais gagné. C'est vrai, parce que premier tour, c'est moi qui l'ai tué en première. Écoute, il faut qu'on aille appuyer sur le bouton rouge. Alors, on court. Appuie. Allez, 1, 2. Arrête de faire des bêtises. J'ai gagné. Cette fois, j'ai gagné. Ça fixe, c'est toi. On savait, on voulait appuyer sur le mais bouton. Vous n'êtes pas arrivé à temps, c'est pour ça que là, j'ai gagné. Comment ça? Je vais vous dire. La transformation a été un succès. Il est temps de sortir d'ici avant qu'il ne me voie.